Bonsoir, bonsoir, et oui, là nous allons continuer cette partie sur South Park, The Stick of Truth. Et oui, nous allons appuyer sur. C'est là-bas, c'est là que ça se passe. Non, c'est inversé. Continuez, continuez s'il vous plaît. Voilà. La partie continue en direct. En direct sur Twitch. Tous les soirs, entre début entre 21h, 21h30 ou même 22h, attention, ça peut commencer à tout moment entre cette heure-là. Voilà, donc sur Sganarel49, hein, sur twitch.fr, voilà, ou sinon en rediffusion sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes en ce moment en train de regarder la diffusion, c'est sur cette chaîne YouTube. Voilà, bon, alors dans la partie précédente. Nous avons acheté des armes beaucoup plus puissantes. Enfin, beaucoup plus. J'adore péter. Beaucoup plus puissantes. Non, plus puissantes en tout cas que la petite canne à la de merde et la kippa. Nous avons un casque et un cimeterre. Et nous allons chercher Craig qui semble être s'être enfermé à l'école. Je sais pas si c'est. Ce que nous allons faire tout de suite, l'école, c'est où? Ça a l'air quand même assez loin. Qui est le plus proche finalement? Là, là on a Twig ici, qui est assez loin aussi. Et l'école, elle est. Craig apparemment serait à l'école là-bas où il s'est fait punir. Et là, pour la quête, vous voyez les environs de l'église à la recherche de l'iPad. Il nous en manque pas un à trouver. Un token, il est là. Ok, donc là on a Token. Là on a Token. Dans sa grande maison luxuriante. Et surtout toi luxueuse. Là nous avons Twig. Et apparemment, Craig, lui, serait à l'école. En colle. Voilà. Bon. Ce qu'on va faire, on va peut-être d'abord aller chez Twig. On va aller chez Twig. On va essayer d'aller chez Twig. Je regarde par où est-ce qu'on peut passer. Est-ce qu'on peut prendre ce chemin? Faire ça, ça. Bon, on va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti. Toujours accompagné de mon cher Butters. Oula, il y a un elfe là-bas. Je propose d'aller taper sur la gueule. Ah ouais, il est en furtivité, d'accord. Merde. Tiens. La furtivité. Je me lave les couilles avec. Allez. Regardez, c'est le papa de Kyle. Monsieur Broslowski. Welcome to the neighborhood. Cool. Un nouvel ami, un nouveau cadeau. Page N. Ouais, un nouveau cadeau. Talent, magie. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein. Mais on vient de commencer. Allez, un nouvel ami. Un nouvel ami. Clyde est banni de l'espace-temps, les gars. Personne n'a cessé avec lui au déjeuner, même s'il a des barres chocolatées. Va te faire foutre, le nouveau. Tout allait bien, tu te vois, toi, c'est vrai que là. Hein. J'ai un peu foutu ma merde. En même temps, c'est de sa faute, hein. Il devait garder le bâton. Et il l'a perdu. Il m'a pas parlé d'un cadeau, toi. Un petit cadeau. Ouais. Ça m'amène sur les aptitudes surtout. Bon, c'est pas grave. Quête, carte, collector. Tous ses amis. Gope, Butters. Ouais, ok. Bon, allez, continuons notre marche. Et continuons de fouiller. Les poubelles. Si j'y arrive, moi apparemment il y aura rien de plus. My frost giant is invisible. Mon géant des glaces est invisible. Regarde comme il est invisible. I stand in awe of you, hero. J'ai toute son admiration, du coup il devient mon ami. J'ai pété son. Allez hop. J'ai pété son bonhomme de neige, mais il m'admire. C'est ça qui est bien. Oh, un chim Pokémon. Oui, nous en allons guérir les trois guerriers.
Je pense qu'on peut donc passer par là. Mais là, il y a un chemin de fer. Serais-je en train de perdre ma voix en même temps? Il y a un chemin de fer. Est-ce qu'on peut le quitter pour passer là? Ou alors faire ça? Ça et ça? Je ne sais guère. J'hésite. Que faisons-nous? On va passer par là. Merde, un enfant. Playing parrot is better than being a parrot. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Un clin d'œil à l'épisode des pirates de Somalie. Avast there, matey. None shall pass. Ah, personne ne passe. Ah ouais. Et si je te tabasse? Ah, un message de Monsieur Brosius. Ah merde. Je voulais cliquer sur le truc, j'ai engagé un combat. Oh, hamburgers. Ok. Bon, j'espère qu'ils sont pas trop puissants, ces gosses. Putain, je vais tester mon arme. Sur toi. Ouf. J'ai bien bien défoncé, hein. Il faut dire. Marteau des orages, allez, allons-y. Feel my righteous fury. Wouh. Merde, j'ai oublié de me protéger, faut que j'y pense. Oh non. Parfait. Alors, allez, on va utiliser l'arc. Mon petit arc de Turlut. Je fais presque mort sur... No, boum. Voilà, ça... Ça, c'est fait. Le marteau sur sa tronche. Sorry about this. Salut, Kruger. Putain, je crois que je perds ma voix aujourd'hui. Bah merci, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu passer sur le chat. Je me suis fait la série Hotline Miami 2. Et puis là, je viens de commencer South Park. Ça fait un an que je voulais y jouer. Et bien, ça y est. Et là, je viens de me lancer dans South Park avec ce magnifique avatar. Classe juif. Ça va, ils étaient pas trop compliqués à voir. On peut peut-être monter du coup. Bombe à eau, excellent. Ah, voilà. Voici le petit frère de Kyle. Ah, c'est le roi des pirates. I am the pirate king. I am the pirate. I am the pirate king. Tu fais rien de plus? Bon, si je pète, ça te fait rire que Butters. Ok. Bon, c'est blindé d'enfants ici. Est-ce que ça va m'amener là où je veux aller, surtout? Si je peux rejoindre la rue, mais il faut traverser la... Mais il faut traverser le terrain de basket. Il a l'air dangereux. Il parsemé l'enfant. Eh bien, écoute, je viens de commencer. Et c'est vrai que il a l'air vraiment génial. En plus, étant un gros fan de South Park, je pense qu'on peut que se régaler avec tous les clins d'œil qu'il y a partout. Qui m'a parlé? C'est l'elfe là? Die, asshole. D'accord. Il m'a traité de trou du cul, je pense qu'il faut une bonne leçon. Ah, shit. Alors, toi t'as ton bouclier de merde. Tu vois ce que j'en fous de ton bouclier. Bon, du coup, si t'as déjà joué au jeu, n'hésite pas à me filer des petits conseils, Kruger. Voilà, bam. Je détruis ton bouclier, et c'est pas fini. Voilà, plus de bouclier, ça c'est fini pour toi. Renvoie de dégâts, ok. Oh putain, j'ai un peu mal paré le bazar. Tiens, petit coup d'épée dans les fesses. Fait du bien tout ça. Hein. Allez, corps à corps, il me semble, quand ils sont en attaque comme ça. Boum. Ça calme hein, tout de suite. Allez, on va lui envoyer un petit marteau de la justice. By the hammer of butters. Merde, qu'est-ce que je fais? Wouah. No. Ouais, c'est ça, il y a énormément de références, rien que... Merde, rien qu'au début. Merde, tu ralentis, d'accord. Ouais, on va essayer quand même de... Qu'est-ce que je vais faire? On continue le corps à corps. Stop dicking around. Boum! Y'a plus personne! Allez, on va guérir ce gars. Voilà, touche-le bien. Et ensuite, nous allons...
Bah, elle tapait avec mon marteau. I don't like this game anymore. Tiens, à genoux. Peut-être falloir se soigner, Butters. Alors, une potion de fortune, une potion de santé. Allez, ça va aller mieux. Voilà, tu te sens mieux. Et on va le finir, lui. Et bah dis donc, t'es résistant, mon salopard, hein. Allez, on va le finir à la main. Voilà. Ouais, c'est vraiment excellent. Et en plus, évidemment, j'ai pris la classe de juif. Donc forcément, tu commences le jeu et on t'appelle direct connard de juif. On sent tout de suite dans la série. Hein. Tiens, je te pète au nez. Toi aussi, je te pète. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer là? Ah non. J'aurais bien ramassé un peu de merde. On peut pas rentrer chez les filles, évidemment. On peut acheter des choses. Ça, c'est bien, ça. Ah, potion de mana, ça, c'est intéressant. On va acheter une petite. Est-ce qu'on peut faire... On va acheter deux. Et des potions, une petite potion de mana, une potion de résurrection, une grande potion de santé. Non, on va peut-être pas tout mettre au fond. Allez, continuons notre route, mon cher Butters. Butters. Allez, y'a pas des trucs intéressants là-dedans? Bon, si je pète sur la poubelle, y'a pas de trucs intéressants. Je peux boire un peu d'eau. Ah, super. Get your gross ass out of here! T'as qu'à sortir de... Ici, toi, ton cul est plus petit que le mien, je suis sûr. Allez, je m'emporte. Allez. On va finir par s'y retrouver, on va arriver chez Twig. Allez, hop. Un petit panneau de débloqué. Un petit sac. Trop bien, une perruque chignon. Je sens que je vais être très mignonne comme ça. Monsieur, monsieur! Monsieur, je perds ma voix. Non, il ne parle pas. Il n'y a rien à foutre. Bon, je voulais courir après ce type, mais je pense que ça a servi à rien. On peut pas passer par là? Si, en prenant le trottoir, ok. Marche pas sur la route, c'est interdit. Alors, je voudrais aller chez Twig. C'est juste là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller chez Twig? Non. Ou alors, faut traverser la rue. Voilà. Ok. Encore un autre bonhomme de neige. Je sais pas si ça fait un truc si on les détruit tous ou si c'est juste comme ça. Wouah! Les culs en feu numéro 2! Un gym Pokémon! Oui! Gym Pokémon! Un nouveau gym Pokémon! Tiens! Pour 100$ en plus, tu peux faire une chirurgie du nez pour avoir le nez de David Hasselhoff. Sauf que ça te donne complètement sa tête. Oh, c'est génial! C'est vrai! Alors là, c'est carrément terrible ce que tu viens de me dire. Si on peut avoir la tête de David Hasselhoff, je... Ah, ça doit être là, hein. Ou alors ça ressemble. C'est une petite maison verte, il me semble. Rhinoplastise, là. Merde. Ah non, c'est là. Tom's Rhinoplastie. Eh ben, où est-ce qu'on est par rapport à ça? 100$, hein. Putain, il va falloir que j'économise. Hein. C'est génial! Tiens, j'ai pété ta vitre! Ouais, bah, je t'intoxique! Attends, on peut aller au Cinoche. Je sais pas si c'est le bon moment d'aller se faire un petit ciné. Attends, mais. Oh, il y a Damien ici! Saving Private Ryan, the re-release, where the word Nazi has been changed. I am Damien, the Antichrist, the son of Satan, and I have never witnessed a thing as hideous and vile as the one you mortals call Rob Schneider. C'est génial, quoi. Hey, I'm watching this. Bah ça, je peux pas passer devant. Certains sièges qui ont des problèmes. Il y a de la lave dedans, qu'est-ce qui se passe?
now he's sharing his body with an 8-year-old boy. Ok, bon, il regarde un film en tout cas où on a pu rentrer sans problème. Sinon, nouvelle demande d'Amine normalement. Damien, voilà. Je viens de décrocher une nouvelle célébrité comme client. Je ne peux pas te révéler mon nom, mais sache seulement que c'est un robot dinosaure faisant 100 mètres de haut. C'est bien sûr Barbara Streisand. Ah, je suis un gros fan de la série, donc je pense que la plupart des... D'ailleurs, ça c'est le déguisement, normalement. Tu mets Barbara Streisand. Don't worry, I'm not here to hurt you. Ah, là, ça, it's me, Al Gore. You know, Al Gore. I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Et ben voilà, j'ai Al Gore en ami, hein. Mais attention, c'est top secret, il faut que je révèle à personne, donc tenez votre langue. Détecteur double sport. Ah ! Tiens ! Un nouveau message d'Al Gore. Placez un détecteur sur une girouette. Placez un détecteur sur une jauge de détection d'incendie. Et placez un détecteur sur un transformateur électrique. Ouais, ouais, ça doit être terrible. The best way to get to Canada is north. Ouais, Kruger, ouais, ça... C'est pour ça, et puis rien que le fait d'avoir la tête de David Hasselhoff, comme dans les premiers épisodes, quand c'est Monsieur Garrison qui va se faire une chirurgie du nez et qui se retrouve avec la tête de David Hasselhoff, et qui lui en a marre d'ailleurs que toutes les femmes lui courent après. J'arrive pas à le choper. Est-ce qu'il faut le viser? Est-ce qu'il faut passer derrière le banc? Excuse-moi, Butters, mais bon. Gee whiz, whistle bitches. Ah ouais, il va me spammer. D'accord. Par contre, comment on chope le putain de chim Pokémon qui est là? Oh putain! Cette épée est quand même puissante pour détruire les distributeurs de journaux. N'importe quoi. Allez, on arrive chez Tweak. Peut-être pouvoir déjà engager. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. C'est des gros drogués de la caféine ici. Oh! Tiens! J'adore taper sur les gens et surtout. You got mud on that one? Bon, il se passe certainement quelque chose pour qu'il y ait de part et d'autre de... des trucs bizarres comme ça. Ou alors c'est des indices pour taper sur un truc? Je sais pas. Pas gré, une petite potion de santé. Ok. Bon, apparemment, il est par ici, notre cher Tweak, voilà. Oh, il travaille dur dans la remise. What's this? Now? The guys need me now? No way, man. I have way too much to do. Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's a Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Ok. D'accord, pour la mère de Kenny, je comprends mieux. En effet, ouais. Ils doivent pas être trop au courant de ce qu'il y a dans leur propre café. C'est un vrai petit laboratoire de chimie. Need more coffee. Walter White est peut-être dans le coin. Il y a des trucs partout, hein. Trucs partout. Est-ce qu'on peut monter là? Parce que là, il y a un...
un genre de coffre-fort. Clé du torréfacteur de Twig. Ok. More coffee. Need more coffee. Alors, ton café, je pense qu'il y a du speed. Hein. Allez, à plus tard, Twig. Donc maintenant, il faut qu'on aille livrer la mère de Kenny. Super. On va pas y arriver, hein, les engagés. Il y en a un qui est apparemment en colle à l'école. En colle à l'école. Ok. Mais ce chim Pokémon, où est-ce qu'on peut le ramasser? Sound up, Sergeant. Ouais. Bon alors. Chez Kenny, bah ça doit être ici. Maison de Kenny. Voilà. Juste à côté de, du chemin de fer. Bon, on va continuer sur la droite. Remonter. Avec un peu de chance, on peut peut-être accéder au chemin de fer, mais je suis pas sûr. Ou alors on retraverse ici. Hein. On va refaire la route en sens inverse et nous ramener chez la mère de Kenny. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on sait rien. Okay. Allez, c'est reparti. Et pour le chim Pokémon, je sais pas. Mais merde, une embuscade d'elfes. Les salopards, vous êtes que deux. Vous aurez pas. Il y a des malades. Eh oh, bah trois coups lui, on va se calmer. Et voilà, me voilà en sang et pour 30 points de vie. Ah, y'a pas de toucher. Le toucher rectal. Ah bah non, c'est vrai, je contrôle le scan. Pas de toucher rectal immédiatement. Alors quand il est comme ça, il me semble que c'est des... C'est quoi ça déjà? Hurry up! Bon, à plus tard Kruger, merci d'être passé et pour tes quelques conseils. Envoyer de l'arc dans la tronche. Voilà. Allez, un petit toucher rectal s'il te plaît, mon cher Butters. Voilà. Tout de suite, ça va mieux. Allez, on va balancer direct marteau de justice dans ta tête. Stop dicking around. By the hammer of Butters. Hey. No, no. Oh no, no. T'es résistant, salopard. Putain, tu donnes trois coups. Hey, 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 hey. On se calme, mon petit monsieur. Voici, je possède un arc. Forte puissance. Voilà. Lui, on n'en parle plus. On va re-soigner le petit gun, le petit connard. Voilà. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, un coup de marteau. We're still doing this, right? Bam! Putain. Objet. Bon bah, jetez-la sur vos ennemis pour faire disparaître leur bonus, on s'en fout. Potion de guérison. Potion de guérison, on va stopper le saignement. Oui, eh oui, sur moi. Voilà, altération supprimée. Et puis je vais te mettre un petit coup de cimeterre bien dans le coin de la gueule. Et voilà, c'est fini pour toi. Nous avons remporté cette partie. Yes, plus 50. C'est totally awesome to be mature like me and not immature like you, Twerp. Voilà, merci les gars, c'était gentil d'être passé, hein. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it. Moi aussi, j'ai régulièrement l'anus endolori. Ça arrive. C'est moche, mais ça arrive. Je pense pas que ça nous aide cette fois-ci. Non. On va continuer notre route à pied. Toi aussi, t'as l'anus endolori? Dis-le-moi tout de suite, sinon. Hein. Allez, retraversons. La porte des filles est toujours fermée, c'est toujours occupé. Hein. Il y en a une qui doit faire caca. Un petit enfant! J'aime bien taper sur les enfants! Come play hide and seek with us, you're it! Pardon? C'est la foutre que jouer à cache-cache? Excuse-moi, petit, mais tu as cru que je. Avec sa foutre que jouer à cache-cache? Non. Trouver les enfants qui se cachent! Oui? Tiens, une bouteille là-bas. Je peux pas la ramasser. That's not nice. C'est pas gentil, hein, ouais. Je suis un gros malade. Je tape sur les poubelles. Allez,
avançons. Et peut-être nous trouverons quelques-uns fin à l'eau. On peut aussi passer la part derrière. Donc alors, on va remonter pour nous rendre ici chez Kenny. Pour livrer le café qui est en Can fait you keep a secret? De la drogue. De la putain de drogue. Ouais. Je sais pas si ça sert à quelque chose de taper les bûches. Peut-être qu'il y a de grands secrets. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je pense que nous avons auprès de chez Kenny. Hein. Ça ressemble un peu à l'ambiance de chez Kenny. Regardez toute cette tas de merde. Ah, voilà. On a débloqué un petit drapeau. Il ben, y a des rats. Comme ça, c'est en tout. Allez, hop. Et des ingles, les rats. On peut les manger. Oh, un clodo. Cool. Oula. On va se méfier quand même. Il a l'air un peu énervé. De son territoire. On va aller là où on doit aller. C'est-à-dire livrer le café à la mère de Kenny. Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Clé du garage de McCormick. Bah oui. Il est où? Forcément. Ils font de la sous-loc. Les tarés. Voilà. Une charmante petite maison, hein. Petit voisinage sympa. Ah oui. Yeah, yeah, we voici got des fumeurs de crack. Sweet coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Ouais, à mon avis, ouais, c'est une potion de force, je pense, ou de rapidité. That's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a kid! Oh mon dieu, on va se battre contre des adultes. What if we just make friends instead? Aussi, vous jouez? oh non. Allez, le cimetière, j'aime bien mon cimetière, il est bien puissant. Ain't got all day, kid. Oh. Bam! Je vais te péter les rotules. Prépare-toi à mourir. Bam. Voilà. Les rotules sont pétées. Mais attends, d'où tu te lèves? Merde. Oh là là, comment je maîtrise? Nom de Dieu. Allez. C'est quoi? Tu es mort. Alors, je peux pas me toucher moi-même. Donc on va utiliser une petite potion de santé sur moi-même. Voilà. Heureusement, la puissance des Cheesy Puffs est là. Alors, faites un clic gauche lorsque la foule frappe. Bam! Ça vous calme, hein, les drogués. Oh merde! Putain, mais elle tape combien de fois, elle? Et mamie, il faut arrêter la drogue, hein. Alors, t'as l'air... Comment t'es en forme, toi? 39 points. Et ton pote, 58. Peut-être d'abord se faire ton pote avec le cimetière, ça a l'air de très bien fonctionner. Quoique, on va faire un petit coup de jujitsu. Allez. Pilonnez rapidement le bouton gauche de la souris pour libérer votre courroux sacré. Le bouton gauche, c'est parti, attention! Boum! Voilà, comme ça t'es assommé. On va soigner notre pote. Yeah, that's it, little buddy. Oh, avec ton petit doigt, Butters. Allez, un petit coup de marteau dans ta tronche, ça devrait suffire. Bam! Je pense que là, je pouvais pas être plus synchrone. J'ai cliqué pile au moment où ça... J'ai parié sur le truc, là. J'ai cliqué pile au moment où ça affiche... Putain, j'ai été bon. Alors... Oh ouais, ça vas-y, en plus il a assommé. Wouh! J'ai niqué les drogués. Récupérer la livraison de Tweakers Mix. Je la vois qui se barre en couille, alors j'en profite pour faire des super voix graves. C'est quoi cette mèche bizarre? Mon dieu! Bref. Ah oh, putain la vache. Ça doit brûler ça. Qu'est-ce que c'est? Les obstacles comme cet incendie sont dangereux, évitez-les en les désactivant en les sprintant. Bon, on va les sprinter. Non? Aïe! Aïe aïe aïe! Et comment je désactive? En pétant dessus. Police brutality! I'd check my drawers if I was you. De toute façon, je peux pas atteindre ce truc. Alors, on va les fouiller peut-être. Potion de vitesse, seringue usagée. Ouais, je suis très intéressé par la seringue usagée personnellement. Merci. Allez, fouille la dame.
C'est bizarre que ces gens possèdent tous des seringues usagées. Très étrange, tout ça. Attends, on n'a pas fouillé le frigo. Voilà. Des espèces de dollars. 2 dollars. Attends, je peux le traverser là, je peux pas aller plus en bas. Attends, je l'ai pas fouillé lui, voilà. Putain, 10 cents. Ce mec était vraiment plein aux as. Non, 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 non. Bon allez, on va monter. On va monter en haut. Villara. Allez, hey, super ça. Ah. Boum. La livraison spéciale de Twig. On peut prendre l'échelle? Putain, on va monter sur les toits. Wouah, club en bois de Kenny. Je pense qu'on en a besoin. Et ben voilà, on a déjà posé un objet de quête. Un détecteur sur un transformateur électrique. J'ai pas fait exprès, hein. En fait. Mais bon, je l'ai posé. Et c'est vrai qu'il y a cette quête. Umur Sport, alors sur une girouette et sur une jauge de détection d'incendie. Voilà. Putain de rat. Je l'ai tué juste pour la gloire. Ça s'est fouillé. Par contre, ça, je sais pas comment on le désactive. C'est dommage. Comment je peux désactiver ce truc? Pousse-toi. En renversant de la flotte dessus. Je ne sais pas. Bonbonne d'eau. Non. Non. Bon, dommage, il y a des super petits trucs là-dedans, mais là, je ne peux pas y accéder. Bon, tant pis. Tant pis. De toute façon, c'est des objets bas niveau. J'ai déjà ce qu'il faut en level 2. Alors, par contre, il y a un clodo un peu agressif, mais peut-être qu'il peut nous donner de l'XP. Hein. On va essayer de se le faire, voilà. Je suis sûr que on pouvait lui taper sur la gueule. Ouais. On va commencer par l'inspire de David. Wait, you guys, I have to sneeze. No, false alarm. Oh. Ah oui, en fait, je dois bien appuyer. Ok. Je viens de comprendre finalement, au bout de plusieurs lancers, le comment fonctionne le lance-pierre. Pas mal. Allez, marteau des orages. Ça vient de calmer. Feel my righteous fury. Boum! Clochard fou! Ça veut dire que c'est... Crazy Clochard. Évidemment. Donc je vais essayer le coup du... Just give me whatever you got on you, I'm good for it. What I do? Boum! Voilà! Péter les tibias, moi! Voilà, touche-le bien. Allez, coup de marteau. Bien dans les rotules. Merde. Oh, come on. Un peu trop tôt. Hey, oh. Hey, dis donc, on frappe pas les enfants 3 fois de suite. Coup de cimetière dans ta gueule. Ça va être vite vu. That's not nice. T'es presque mort. Presque mort. On va refaire un coup de marteau. Ce qui devrait suffire. Hey. Putain, pourquoi ça lui fait qu'un point? Oh putain, il a repris de la vie. Il est complètement sous. Merde. Give me some change, goddammit. Wanna play her up, huh? Oh putain, ouais. What I do? D'accord, donc là, il ne faut que les armes à distance pour lui taper sur la gueule. Sinon, c'est pas bon. Ou alors, avec une bombe à eau, on va faire disparaître son bonus. Voilà. Boom. Comme ça, tu te calmes immédiatement. Tout de suite. Oh.
trop tôt, évidemment. Parfait. Allez, à distance, donc. Arme à distance. C'est ce qu'il me faut. Oh, come on. Putain, il fait que des 1. Que se passe-t-il? I got your back, yo. Qu'est-ce que j'ai mal fait, là? Hey! Yeah! That's not nice! Allez, recule! Voyons voir, la loupe. Vulnérable à la foudre. Whatever you can spare. Ah, c'est pour ça que tu lui as bien fait mal tout à l'heure, la foudre. Attends, on va redonner du mana. À Butters. Je vais le donner à Butters en fait. Ah, the new kid screwing around again. Bon, tant pis si on peut pas. Allez, on va continuer avec l'arc. Merde. Ah. Non, pourquoi il perd que 1 à chaque fois? Y'a un truc que j'ai pas capté ou quoi? There you go, pal. Le corps à corps, non. Spare change. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on fait un par un, on n'a pas fini ce combat. Hein. Il m'enchaîne. On va se re-soigner. Potion de santé sur Butters. Allez, on se soigne. Comprennent ce qui est en train de se passer. On va fuser le cimetière en tapant de toutes nos forces. Oh, ah voilà, corps à corps là ça fonctionne. Donc, corps à corps, il faut que tu cliques droit lorsque le marteau de Butters clignote. C'est bon. Je n'ai peut-être pas le bon clic. Voilà, c'est ça. Par contre, il est résistant, salaud. Le cimetière, ça a l'air de faire du mal. Allez. Hey. Allez, il est presque par terre. Continue de l'enchaîner en arme de corps à corps. Boum. Allez, il a presque les genoux pétés. Voilà, c'est bon ça. C'est bon. On le finit. Boum! Allez, avec un coup de marteau, ça devrait le faire. Boum! Oh putain, il lui reste encore 8 points de vie à ce salopard. Il va me. Il va niquer Butter si ça continue. Non, c'est bon. Allez, cette fois, c'est ta fin, jeune clochard. That's not nice. Ouais, alors là, je suis craqué, donc c'est mort. Ah, toucher de guérison, c'est pas sûr. Plutôt se soigner parce que là s'il me tape dessus c'est mort. You got any change? Non, j'ai pas de monnaie mec. Tu vas devoir juste t'en tenir à la mort. Allez, cette fois on se craque pas. Bah boum. Voilà, allez, ça suffit. Voilà, on a nickel clodo. Camp de sans-abri relocalisé. Putain. Voilà que dans South Park, à présent, nous virons les Roms. Bien triste affaire. Bon, on va peut-être pas aller par là. Hein? On devait aller résoudre les dilemmes de Tweak, puis on relève le. Hein. Ok. Donc, maintenant que j'ai le truc de Tweak. Est-ce qu'on peut rentrer à nouveau ici? Ouais, on peut rentrer dans la baraque. On visite la maison de Kenny, c'est génial. Tiens. Salope. J'ai brisé ta télé. Je vais surtout l'étendre et te péter à la figure. I thought you were different. Quand Butter se marre, moi ça me fait immédiatement marrer. On peut aller par là. Ah, c'est la chambre de Kenny apparemment.
20, tout prendre. Est-ce que ça, on peut le ramasser? Non, on lui a détruit un jouet, le pauvre. Le pauvre, c'était un de ses rares jouets qui avait l'air à peu près neuf. Pommette rose. 1, 2, 3. Anneau de pureté. Un slip. Et ça. Boum. Et oui, comme tous les pauvres, Kenny est un fan de NASCAR, évidemment. Selon la légende. La mort aux rats, ouais, mais ça t'empêchera pas la prochaine fois que tu mourras que les rats emportent ton corps, Kenny. Oh, la tenue de Mysterio. C'est juste pour regarder, d'accord. Je regarde. Allez, sortons d'ici. Ah, voilà. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Ouais, c'était dynamique, hein, mais... If you see Kenny, tell him to pick up some dinner on his way home. Not them fancy toaster strudels, though. Just regular Pop-Tarts. Oui, madame. C'est bien joli, joli, tout ça. Bon, on va retourner voir Twig, j'imagine. Je vais regarder ma quête juste après, hein, au lieu de ce palin. Des déchets. Je vais tirer sur la gueule. Oh là là, il m'en faut peu pour rigoler, hein. Bon, tu n'auras même été que ça. Bon, je t'en mets la télé quand même. Et puis en fait non, et je me casse. Salut. Je suis un peu violent dans mes actes. Tesson de verre. Je ramasse un tesson de verre apparemment. Je peux aussi ramasser le mégot. Alors maintenant on va retourner chez Twig. Chez Twig. Ah, ici aussi on peut fixer un truc, ok. On va retourner ici, retourner dans l'arrière boutique chez Twig. Voilà. Nous allons utiliser ceci et nous faire transporter par là. Grâce à Timmy. Merci Timmy. Alors tu as toujours mal à l'anus toi? Oh. Qui refait ce bonhomme de neige? I wish I had some Frank. Ah, tu veux devenir ami? I like the stapler. I thought it was some arrived ciders by the work. Putain, et comment on attrape ce chim Pokémon? Je ne sais pas. Il y a un chim Pokémon sous mes yeux, mais je peux pas l'attraper celui-ci. Merde, je viens de passer devant. Hop, par contre, il y avait un drapeau à débloquer. Voilà, qui pourra nous aider plus tard. Par contre, oui, je suis passé juste devant chez Twig de la manière la plus naïve du monde. J'ai même pas fait gaffe. Tiens, c'est là où je dois tout juste me rendre, ça tombe bien. Alors. Tiens. Where's today's delivery? Right here. Yep. That's good shit. All right, Twig, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Twigland, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Cool. Quête accomplie. De nouveaux amis. Voilà. Super. 12 amis cadeaux disponibles. Clé de Twig. La clé du torréfacteur de Twig. Alors, la clé du torréfacteur. Ah mais ça a changé ici, il n'y avait pas un coffre. Que... Ah non, n'importe quoi, ok. Bah voilà. Oh, des gants. Et robe de religieux, ok. Moi bon, je vais pouvoir tout prendre, mais par contre, pour l'instant c'est du niveau 3. Trop bien, trop bien. De l'équipement. De l'équipement, allô. Pourquoi tu pleures? Elle a peur de moi, hein. Et je te pète dessus pour finir. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Twig out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun. On peut acheter de la drogue alors. Potion d'ultra vitesse. Ah oui, quand même. C'est assez cher, hein. C'est assez cher.
On va reprendre une petite potion de santé. Je suis assez radin pour l'instant, hein. Je suis un peu sur mes sous. En même temps, j'ai pris la classe juif. Pardon. On risquerait d'avoir des problèmes en ce moment. Allez, continuons. Nouveau message de Twig. Théorie de complot. Comment savoir si vous êtes suivi? Dispositif d'écoute. À qui se fier? Les parents sur la brèche? De plus en plus d'actualité. Alors, des cadeaux. Cadeau, collector, collector. Groupe. Non, je peux pas choisir Twig pour l'instant. Donc maintenant, on va aller chercher... Chercher Craig. Craig. Alors, il nous reste qui à trouver? À quoi qu'il y a Token pas loin? Hein, c'est là, ouais. La maison de Token est pas loin, donc on va plutôt aller chez Token. Ah, faut ralentir. Wouh! Ah ah, je suis un fou, moi! Je détruis des boîtes aux lettres. Propriété des pressons. Il n'y a pas un chipot comme là, non? Merde, un agent de sécurité. À mon avis, il va falloir se battre. Dégage! Je te pète dessus, moi! Un grand malade! Je suis atteint du côlon irritable. Je voudrais vous passer, monsieur. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Ah ouais? Log, sir. Et si je te tape dessus? Oh le salaud! If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Donc, nouvelle quête passe-muraille. Ok. Quelle est-elle, cette quête? Passe-muraille. Trouver un moyen de pénétrer dans la propriété privée de Token pour le recruter au sein du royaume. Porter quelque chose pour protéger du gaz poivreux de l'agent... du gaz poivre de l'agent de sécurité. Ok. Eh bien, c'est très simple. Ok. Quelqu'un a posté une vidéo où tu te fais asperger de gaz poivre. Attends, faut que je la regarde encore une fois. Ah si, c'est encore mieux quand on sait ce qui va se passer. Putain, le salaud! Il se moque de moi. Bon. Apparemment, il me faudrait un genre de masque. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi, dans mon inventaire? N'ai-je pas un de ces masques? Non. J'ai rien d'intéressant. Où est-ce que je peux trouver ça? Est-ce que la quête nous l'indique? Sur la carte. La carte, s'il vous plaît, la carte. Peut-être au magasin? Pensez qu'ils vendent des masques à gaz. Passe-muraille, ok. Chez Jimbo, nous trouverons notre bonheur. Donc on va continuer vers la gauche pour aller chez Jimbo. Jimbo! Ah bah oui, c'est fermé, ok. Some kid gave me the worst pig belly over there one time. La pire gifle d'estomac de ta vie. Pour l'instant, on peut pas y aller, mais si on les retrouve. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Qu'est-ce que tu veux? Get away from me. J'adore pêcher sur le pied. Désolé. Oh! Oh! Oh, c'est Isushi, il est Stan one time gave me the grossest wet willy right here. Il se prend un truc sur la gueule. Donc à côté, il y a... bah voilà. J'ai pas la clé. Bon, on reviendra plus tard. Petit enfant, tu veux te battre? Hein? Hein? Tu veux pas te battre, toi? I couldn't decide where to hide. Ah bah voilà! C'est un des enfants qu'il fallait trouver. Bah dis donc, t'étais super mal caché, hein. C'était Wonk. Voilà. Oh putain. Vous voyez ce que je vois? On va leur tomber dessus. Die, asshole! Qui va taper en premier? It's a good day to die. C'est nous. C'est un beau jour pour mourir pour toi. Alors, We're still doing this, right? Ah ouais, t'inquiète pas. Faut pas être déçu du voyage. Attention.
marteau des orages. Je peux pas attendre les mecs de derrière plutôt? Non, tu les protèges? Bah, juste le marteau de justice alors. By the hammer of butters! Ow! J'ai oublié de faire un truc. J'ai pas lu. Bon, il a bien fait mal. Attaque améliorée. Merde. Putain, il m'a fait bobo! You're mine now! Oh là 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 là! Putain, il m'a bien enchaîné, hein. Allez, je vais faire mon arc à nouveau. Un petit touche pipi. Qui va un peu mieux. Parce que mine de rien, il s'en est pris plein la tronche, il faut le dire. Stop dicking around. Take that. Voilà, allez, toi, on n'en parle plus. Tu faisais beaucoup trop mal. Hey, I'm blocking. I remember your glue. Tiens, comment je bloque ton attaque, enfoiré? Attaque améliorée. Ouh là là, un point de vie, Butters. Il a eu de la chance sur ce coup-là. On va te soigner. Potion de guérison, de puissance. Potion de santé. Man, I could be watching TV right now. Tiens, Butters, mange donc ces cheesy puffs. Ensuite, toi, ce que je vais te mettre. Let's go, asshole. Lance-pierre de David sur ta tête. That didn't count. Bon, ça fait mal, ça. Putain, ça. Je l'ai bien défoncé. On va re-soigner ce gars à nouveau. I got your back, yo. Très bien. Et ensuite, mon petit Butters. Non, rien d'autre. Bon bah, pas de choix que d'utiliser le marteau. Toi, t'es presque mort, donc on va éviter de se faire taper deux fois. Si on pouvait te faire du mal. Non, c'était pas sur toi que je voulais taper, c'est raté. You're straight tripping, son. C'est bloqué, mais il est en sang, mon pauvre Butters. Et merde, il me l'a défoncé. Bon, en même temps, j'ai fait un peu le con, j'ai ripé. Potion de résurrection, il va falloir qu'on en rachète. Hein. J'en ai plus qu'un, apparemment. Qu'un taco de résurrection. Voilà. Alors. L'inspire de David. Tiens, si je peux encore l'utiliser, mais. Sûr. Non, on va pas utiliser ça. On va le garder pour l'autre. On va le finir. Ah. Boum! Voilà. En sang également, mais bon, on devrait pouvoir le terminer. Comme des grands. Potion de la fortitude, on s'en fout, de guérison de puissance, ça c'est pour le mana. Restore, ouais c'est ça. Allez, vas-y, reprends un peu de mana, mon cher Butters. Et nous allons utiliser à nouveau la foudre. Voilà. Sur ta tête. Voilà. Lui s'est carrément barré. Allez. Et pan. T'es mort. Yeah. Voilà. Allez, on va vous fouiller l'anus. Fouille à balle. Fouillonal, les petits chéris, fouillonal. Merci pour tout. Jimbo, il me faudra un masque à gaz, s'il te plaît. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? La vengeance! Évidemment! You've come to the right place. Qu'est-ce qui peut nous attirer plus que la vengeance? Dis-le-moi. Howdy there! Haven't seen you before. Et non. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the... Ouais, c'est ça. Alors, équipement. Masque à gaz, niveau 2. Super. On a fait. Qu'est-ce que tu nous vends donc d'autre en consommable? On va racheter... Ah merde, ils vendent pas des tacos. Petite potion de résurrection.
faire ça. Non, 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 ça c'était ce que j'ai moi en fait, trou du cul. Vendre. Petite potion de résolution, j'en ai pas. Donc moi je voudrais bien en acheter. D'hiver. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'acheter ça? Bon, je vais l'acheter pour le faire plaisir et parce que je suis vraiment pété de fric. Équipement consommable. Consommable. Patch pour costume. Ouais, non, 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 non. Retour. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Ok, ça fait une quête en fait d'acheter le livre. What can I do for you, new kid? Je voudrais acheter. Qu'est-ce que t'as en arme? Ouais, ok, c'est du gros, gros niveau, hein. Par contre, j'ai de la merde à vendre. On peut pas tout sélectionner. Contrôle A? Non. On va se rembourser, hein. Ça, c'est tout ce que ça vaut, une figurine de Philippe. C'est pas cher payé, moi. C'est pas cher payé du tout. Tesson de verre. Le mec, il rachète du tesson de verre. En même temps, ça se recycle. À la Babaman. Cheval 3. Carte de membre. Carte de club des membres du NASCAR. Putain, Kenny va faire la gueule. Bah là, je suis encore plus riche que quand je suis rentré. Ceinture d'armes. On peut pas racheter. Y a rien à racheter. De toute façon, je voulais pas racheter ce que j'ai. On peut pas ramasser quoi que ce soit ici. Battez l'araignée japeuse canadienne. Battez la bactérie mutante. Battez la roussette suceuse de sang. Venez à bout de la souris pénis. Battez la vache de ferme. Ok, donc ça, c'est toutes les nouvelles quêtes que j'ai. Grâce au flingue, grâce au manuel de chasse que je viens d'acheter. Alors, t'imagines pas que tu vas trouver les bêtes dont je t'ai parlé en claquant les doigts, le nouveau. Non, 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 bien sûr que non. Y a-t-il un truc à faire ici? Non. C'était rien. Poutine. La poutine. Ouch. You remind me of a guy served with in Nam. Cloche de vache. C'est quoi tous ces machins qui apparaissent? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Inventaire. Ah, je peux me faire des traits noirs maintenant. Équipé. Voilà. C'est très bien. J'ai remplacé mes poches par des traits noirs. J'ai l'air d'être un meilleur guerrier. Je peux me mettre une perruque chignon. Équipé. Oh ouais, c'est pas mal. Avec le casque, j'ai plus, j'ai plus l'impression d'avoir ma coiffure. En tout cas, on voit mes deux yeux. C'est un peu mieux. Bouchon de bouteille. Ok. Ça, c'est mon bazar, mon bao. Ouais, on s'en fout. Là, et là, là, là. Ah tiens, un anneau sacré de niveau 1. Plus 5 dégâts si on sent. Et bien, non, je le porte déjà, ok. Et j'ai des gants de religieux, mais ça, pas avant niveau 3. Ça, c'est moins bien si je le prends. Ok, et ça, c'est moins bien. Bon, alors, ça, tout ça, c'est bon, c'est fait. Sortons d'ici et retournons faire la nique. What are you encore looking des putains d'elfes. Attends. Je voulais aller faire la nique à l'agent de sécurité devant chez Token, mais il y a ces elfes qui veulent absolument se faire la télécouille. C'est donc avec joie que je leur propose mes services. Alors, à quoi es-tu sensible, mon petit père? Vulnérable au feu, et toi aussi. I have to go to the bathroom. Bon, très bien. Fermons ça. Qu'est-ce que j'ai comme objet d'ailleurs? C'est pas un fleur bonus, une potion de vitesse. Wait, whose turn is it? On prend le petit. Ah, le café vous permet d'attaquer à nouveau. Ok. Et bon, on va faire ça. On va taper sur la gueule deux fois. Allez, on va commencer par toi. Et boum! Nouvelle attaque! Et toi, ça va être pareil pour ta gueule! Voilà! Ils sont déjà tous morts. Attends, si je me trompe de... Voilà! Et ça, c'est réglé! Ouais! Plus 50 XP. Putain, on est presque niveau 3. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's ouais, je the sais, best. Ouais. Moi, je plus tard, j'économise pour avoir la tête de David Hasselhoff. Promis.
promis, je vais avoir la tête de David Hasselhoff. C'est obligé. Ok. Oh, il s'est fait vandaliser son truc, je pense. On va aller près de chez Token. Est-ce qu'on a la possibilité, grâce au Timmy Fast Travel, d'aller plus rapidement chez Token? C'est où déjà, chez Token? C'est là-bas. Eh bien, oui. Allez, go. Tamae. Putain, encore des elfes. You're a douche. Vraiment, se mettre sur la gueule, hein. I'm gonna mess you up, dude. Est-ce que tu crois attaque améliorée? Oh. Oh putain, le salaud. Je m'y attendais pas. Est-ce que tu ne sais pas? C'est que je vais t'envoyer cette bombe à eau sur le coin de la gueule. Voilà, amélioration supprimée. Tout de suite, ça te calme. Non. Voilà, l'arc du turlut. Tiens, vilain coquin. Alors, marteau des orages. We're still doing this, right? C'est pas bien aligné, les gars. Hein. C'est pas cool. Bah allez, ouais. Allez, c'est... Feel my righteous fury. Zing zing. Ça fait mal, hein. Attention à ce con. Alors. Déjà, on va manger. Quoique, si on peut attaquer deux fois. Non, ça va un peu servir à rien là. On va niquer du matos pour que dalle. On va faire manger. Potters, voilà. Et on va lui lancer une petite pierre dans la gueule. À celui-là. Voilà, tiens. Potion de puissance pour reprendre du mana. Voilà. Et maintenant, un petit coup de marteau. Oh, désolé. Je sais pas si PP9 ou PP7 ça change quelque chose. Est-ce que c'est la puissance? Ah non, d'accord, c'est le nombre de points de mana que ça utilise. De toute façon, je peux utiliser que celui-là. Puis le nez, c'est un clic gauche. D'accord, c'est comme. Trop tard. En tout cas, il a pris cher. Merde. Oh putain. Bon, toi, je vais te mettre un coup de cimeterre là où il faut. Voilà. C'est fini pour toi. Voilà. Oh là là. Le petit bobo, un bisou magique. Qu'est-ce qui te reste, toi, en point de vie? Coquin. Ah, 61 points quand même. Et tu as une attaque renforcée. Pour l'instant, je peux juste te taper avec le marteau. Oh, double dégâts! Salaud, tu vas avoir le corps à corps dans ta tronche. Voilà. C'est fini pour vous, les gars. Au revoir. Bisous. Et plus 5 en XP. Et je te finis. Je pète toujours sur mes ennemis. Pour signifier ma victoire. Ensuite, équipons-nous immédiatement du masque. Le masque. Où est le masque? Inventaire. Ma tête. Mon visage. Masque à gaz. Équipé. Ah là, on voit mon chignon par contre. Et ouais, petit chignon. Oh, nice. Tiens. À nous deux. I warned. What the fuck? Et oh, ouais, no. Mec. Et ouais. Are you gonna rape us? Ah, l'agent de sécurité va nous violer peut-être. Nous ne savons pas. Mais c'est d'abord nous qui allons le violer. Alors, ok. Par contre, il a 153 points. C'est un véritable boss que nous avons face à nous. Allez. Classique petit cimetière. Ow! Voilà. Ensuite. De toute façon, j'utilise ça ou ça. Autant utiliser celui qui utilise le plus de mana, à mon avis, c'est sûrement la. Feel my righteous fury! Oh! Boum!
Eh ben, ça fait mal. Aptitude. Tiens, je vais faire du. Hop. Pire mot, hein, pour... Ok. Ow! Ça fait mal, hein, dans les couilles. C'est sur toi qu'il faudrait l'utiliser, le toucher de guérison, mais bon, potion de santé. Allez, hop. Gosh, I think I'm gonna be dead. Voilà, ça va mieux tout de suite. Aptitude, on peut plus rien faire, on va simplement le faire dans les genoux. Oh, ouf, ça, ça fait mal, hein. Il a l'air sonné, c'est le moment. Non, c'est pas le moment. Utiliser le cimetière. Plus classique corps à corps, voilà. Presque mort, on le finit au marteau et voilà, c'est fini pour toi. Oh boy, we won. Ouais, super. Je pète sur ça. Quête accomplie, passe muraille. Des améliorations sont disponibles puisque je viens de passer niveau 3 et je peux maintenant je peux recruter Tokan. Alors attends voir là. Je voudrais choper le sac. On peut choper le sac qui est juste là. Non, faut d'abord prendre le chemin principal. Voilà. Cool, potion de résurrection. Génial, j'en avais plus. Amélioration disponible. Alors, inventaire, aptitude. Nouvelle amélioration. Alors, Juif Jitsu niveau 2. Ou le lance-pierre. Le lance-pierre, je voudrais bien l'améliorer. Ou alors, je peux débloquer un nouveau talent. Est-ce qu'on peut débloquer un nouveau talent? Non. Là, augmente les dégâts de votre lance-pierre. Plus vous aurez reçu de dégâts, plus puissant sera votre jiu-jitsu. Réduit l'attaque et enrage vos ennemis qui n'utilisent plus d'aptitude et se concentrent sur vous. Ouais. Je vais plutôt améliorer ça alors. Allez, hop, c'est parti. Magie, talent. Cadeau disponible. Deux cadeaux disponibles. Je peux prendre ce que je veux. Couille à l'abri. Votre santé maximum augmente de 20%. Ça peut être bien. Ouais, je vais acheter ce cadeau. Et je peux prendre un autre cadeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Casse bon, l'air de la provocation, infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis vénères. Et subissez moins de dégâts de leur part. Ça peut être bien, ça aussi. Tireur d'élite, les attaques de votre arme à distance infligent des dégâts supplémentaires. Ça, c'est bien pour mon petit arc. Vos PP maximum augmentent de 20%. Je vais augmenter l'arc. Voilà, ça me fait plaisir. Magie, rien. Aptitude, c'est fait. Et bien voilà. Je vais pouvoir mettre inventaire. Je suis niveau 3 ou pas? Ouais, niveau 3, donc je peux mettre la robe de religieux. 1-1-1. Augmente les PV max de 5. Le stock de cheese, il pouf, soigne 5 points de santé à chaque tour. Ouais. Et bien très bien ça. Allez, teinture. On peut changer la teinture. Ah d'accord. Je peux être un dark religieux. Primaire. Allez, noir et rouge, c'est pas mal. On va garder le petit esprit emo que je me suis donné au début. Par contre, la coiffure, je vais la rechanger. Hein. C'est pas possible. Voilà. Ok. Et maintenant, je fais quoi? On peut revenir? Inventaire. Donc, je vais la porter. Équiper. Voilà, superbe. La coiffure, on va la rechanger. Hein, on va pas garder ça. Je veux m'enlever ça. Hein. Voilà, je préfère encore ma coiffure d'Imo. D'Imo gothique. Le masque à gaz, très bien. Mais casque de Clyde est quand même bien mieux à utiliser. Les gants de religieux. Équipés, voilà. Là, on commence à devenir déjà beaucoup plus costaud. Matraque du châtiment. Non. Potion, ça, carte de baseball. Ok, bon, et bah c'est pas mal tout ça. Notre perso déjà, il commence à être bien plus héroïque par rapport au début. Regardez-moi tous ces cadavres que j'ai vaincus. Nous allons pouvoir retrouver Tokan. Tokan, où es-tu? Tokan? Peut-être est-il dans son garage? Comme tous les pauvres. Merde, c'est un riche. Allez hop, ça c'est quoi ça? Charpie en plastique. Il n'y a pas un chim Pokémon. Et ça là-haut, c'est quoi? On peut pas aller plus haut. Par contre, je pense que là-haut, je peux aller mettre quelque chose. Qui fait partie d'une quête. Enfin, non. Par contre, il y a ce coffre
une coiffe de religieux niveau 3. Et bien voilà, je pourrais m'habiller de la tête aux pieds en religieux. Voilà. Je vais vraiment être encore plus puissant. Confère un PP lors de soins. Ouais, plus 3 d'armure, c'est pas génial. Mais bon, au moins ça va aller avec la tenue. Voilà. Teinture. On va le garder en noir. Voilà. Eh ben, ça commence à être vraiment pas mal. C'est pas mal tout ça, non? Moi, je dis oui. C'est pas mal. Ah oui, déjà 1h10 de live, continuons. Ah, Chim Pokémon. Chim Pokémon. Je continue de péter les plantes en toute impunité. Ouais, et un de plus. Chim Pokémon. Alors, collecteur Chim Pokémon, on en est où? La collection s'agrandit allègrement. D'ailleurs, il y a toujours celui qui est derrière le banc que j'arrive pas à récupérer. Mais bon. Yeah. Allez. Can I help you? What's this? Oh, the elf took the stick again? Hang on a second. Thank you for the message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Et ben voilà. On a rien à faire de plus pour lui, hein. Ça a pas été difficile. Il n'y a plus que Craig à aller chercher à l'école. Retournez voir Cartman. Bon. Bah ben voilà. T'es retourné de... là où tu dois être. Parler. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Tu peux être honteux. Alors, token, c'est fait. Hein, ça est retourné à Cartman et faites-lui un rapport sur le recrutement. Ok. Alors, les drapeaux. Où sont les drapeaux? On peut aller au Canada? Wow. Putain, on peut aller au Canada. C'est formidable. Je jouis. Je jouis intérieurement. On peut aller au Canada. Ce jeu est magnifique. Il n'y avait pas un drapeau dans le coin? Si, normalement il y a un drapeau ici. Il y a un drapeau par là. Il est juste pas indiqué puisque je suis à côté. Voilà. Et on retourne chez Cartman pour annoncer nos deux recrutements supplémentaires de Token et de Twitch. World soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Oh, il va m'enseigner le cri du dragon. Commencez votre formation. Un enseignement. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight. Ah, l'épée en donc une fonctionnalité. The right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's boss, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Je suis d'accord, péter sur les couilles de quelqu'un, ça se fait pas. Let's begin your training. To conjure dragon shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Magnifique clin d'œil à Skyrim, hein. Find the frequency. Eh oh, je suis pas un spécialiste en jeu de... Ah d'accord. Whoa, don't leave the air trapped inside, that shit's dangerous. Mais laisse-moi essayer. Je pensais qu'il fallait pilonner comme sur le truc. Suck it in. Let it rumble. Oui, j'ai compris. Et on fait un fou Shroda, j'ai compris. Allez. Dragon shout. À moi. Find the frequency. Hold! Hold! Wow! My god, that was incredible.
A man could live 100 years and never again witness a smile so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny! Could you come here, Zach? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All oui, right, on va péter sur la Princesse Kenny et la Princesse Kenny. Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Pan! Oh la vache, la déformation de la gueule! Fucking hilarious! That was fucking awesome! C'était génial! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Un enseignement d'une des plus grands maîtres. Merci, Carpal. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax. Attends, upon il va falloir aller chercher Craig. Hein. Pote déverrouillé, Kenny. Cool. Un pouvoir utiliser Craig. Merde, parce que je viens de voir Craig apparaître. Mais on va pouvoir utiliser Kenny pour se battre. Mais je pensais qu'il était déverrouillé. Espace pour en choisir. Ok. On se met en combat, je pense. Et bien voilà, c'est là que nous allons nous arrêter pour ce soir, hein, petit épisode d'1h16 donc qui va être diffusé sur la chaîne YouTube Sgan SGN Twitch, Sgan Espace Twitch. Voilà, donc si vous regardez cette petite vidéo en rediffusion donc sur la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description pour la chaîne Twitch afin de voir les parties en direct si ça vous intéresse. Voilà, ou sinon bah, y a la chaîne YouTube, on peut s'abonner également, hein, Sgan Twitch. Et donc voilà, c'est tout. Donc à la prochaine pour la suite de nos aventures dans la magnifique ville de South Park. Voilà, on se dit au revoir, à bientôt. Et puis dans le prochain épisode, nous allons pouvoir, dans la prochaine session également, chercher Craig, qui est donc collé à l'école. Mais maintenant, nous avons une putain de tenue de religieux ninja avec un arc qui pète, qui possède à présent le cri du dragon d'une puissance phénoménale. Ça va être fantastique. Donc, rendez-vous à la prochaine session. Prochaine session qui aura lieu normalement dimanche, hein, entre 21h30 et 22h. Bon, peut-être même 21h. Enfin voilà, entre 21h et 22h, voilà, faut pas hésiter à s'abonner pour le savoir. Voilà, allez, salut, bisous.